Écoute, c'était le premier match pour chaque promotion. Après, c'était la troisième semaine que l'on joue au foot. Donc, voilà, il y avait des choses. On a fait quelques découvertes et puis on a mis une organisation avec trois défenseurs avec les U15. Voilà, donc c'était tout nouveau pour eux. Puis on a travaillé beaucoup la possession là, dans ces 3 semaines. Donc, on a eu des bonnes choses, des bonnes intentions. Après, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il y a des intentions et c'est intéressant. Là, si, quand un joueur est bon, c'est que l'équipe est bonne. Donc, on n'a pas à ressortir un joueur particulier. Je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est le collectif. Puis forcément, l'individu dans le collectif. Mais bon, non, non, on n'a pas. On est satisfait pour certains, un peu moins pour d'autres, donc on va leur dire, il y aura une vidéo qui sera là pour ça, pour leur dire plein de choses, donc ils vont travailler là-dessus, et puis pour être encore meilleur la fois d'après, la fois prochaine. Bah, plutôt très positif, voilà, donc on avait 6 arbitres qui arbitraient les 2 rencontres, donc c'est les jeunes de la section sportive arbitrage qui arbitrent sur les matchs du pôle, et puis des sélections de la Ligue. Alors bah, après Clara et Aloïs sont les deux qui ont arbitré au centre, avec les autres qui ont arbitré à la touche. Et donc bah, il y a toujours à progresser, voilà, dans la gestuelle, dans la condition physique, dans la lecture du jeu notamment. Et voilà, comme c'est les arbitres qui restent débutants, qui n'ont pas une grande expérience, bah, voilà, il y a plein de petites choses à corriger, mais c'est en faisant qu'on apprend. Et puis on a l'outil vidéo ensuite pour débriefer les matchs et puis pour rectifier les points à améliorer.